mademoiselle, vous êtes femme? Oui, j'ai buté contre une racine. Attends, on va aller. Près de là. Asseyez-vous. Permettez que je regarde votre cheveux. Ouais. Ah. Je vous fais mal? Ouais. Vous avez mal à la cheville? Oh! Vous êtes folle? Bonjour, monsieur le juge. Et adieu. À propos du boulot. Tu sais, entre le bar, la salle, j'aide même parfois en cuisine. Hein. En fait, je fais le boulot de deux personnes. Alors, je me disais que j'allais demander une augmentation à Nicolas. Et donc, j'aimerais bien que tu lui téléphones pour appuyer ma demande. Oh, Camille, je suis ta sœur, moi, je suis pas ta mère. Hein. Bon, d'accord. Pourquoi pas Londres ou Barcelone? Ta femme a peut-être envie d'un week-end fun. Une escapade amoureuse, Benoît. Oh, tu peux pas comprendre. On a besoin de se retrouver comme tous les couples. Allez, laisse faire. Tiens, voilà. Camping des flots bleus, deux étoiles. Pas mal. Mais donne-moi ça. Mais donne! Pouvons commencer? Bon, j'imagine que vous êtes au courant pour le juge Belmont. Le ministre nous demande d'arrêter son assassin. C'est pas un boulot pour la PJ, ça? On connaît l'identité du meurtrier. Suivez-moi. Jos Caron. Exact. Le juge Belmont menait plusieurs enquêtes impliquant la famille Caron. Jos l'a exécuté sur ordre de son père. Blanchiment d'argent, délit d'initié, financement occulte. La famille Caron est basée à Montréal, mais elle sévit dans le monde entier. Cet enregistrement téléphonique nous a été fourni par les renseignements canadiens. Joss a fait une connerie. Il doit quitter la France. C'est prendre un risque énorme. Tout ira bien, Franck. N'oublie pas que tu as une dette envers moi. Que j'ai payée depuis longtemps. Oh, j'imagine que je n'ai pas le choix. Il a tous les flics à ses trousses. Tu l'aides. Point. Mais il organise la fuite de Caron. Qui est ce Franck? Là, je vous garantis une surprise. Mais c'est Franck Perrault, le chorégraphe. Il est actuellement en tournée mondiale avec son dernier spectacle. Dans deux jours, il quitte la France. Avec lui, il y aura Jos Caron, l'assassin du juge. Il va se mêler à l'équipe du spectacle. L'arrestation de Jos est une priorité pour le ministre. Mais monsieur Franck Perrault est une star. C'est pourquoi il faut agir avec douceur. Vous allez infiltrer le théâtre où Perrault et son équipe se sont installés. Ne le lâchez pas. Dès qu'il rencontre Caron, vous les serrez tous les deux. Voilà. Au travail. Mon week-end. Luc Darcy, rédacteur en chef du journal Phénoménia à Bruxelles. Vous êtes l'agent de Franck Perrault? Oui, nous voulons obtenir une interview. Oui, un dossier spécial. Léa, tu fais comment s'ils appellent le journal? On n'a pas le choix. Hein. Seuls les journalistes peuvent approcher les stars en si peu de temps.
Mais t'as raison, faut tout prévoir. On peut intercepter les communications du théâtre? Ah ouais, si on installe une dérivation sur le central téléphonique. Et il y a une danseuse qui vient de quitter la troupe. Franck Perrault organise un casting pour la remplacer. Tu te sens d'y aller? T'es sérieuse? Oh Léa, je t'adore, j'attendais que tu me le proposes. Je vais danser dans la troupe de Franck Perrault. Quoi? Bah j'ai fait de la danse. Non mais c'est vrai, j'ai failli devenir pro. Sans blague. Bah vas-y, fais-nous une démo. Enfin, ton objectif est de poser une dérivation, mais tu passes le casting pour attirer l'ascension. De toute façon, t'as aucune chance. Ah ouais? On parie? Journaliste intello ou journaliste sexy? D'après sa bio, Perrault apprécie les jolies femmes. Pour le reste, c'est un parano qui se méfie de tout le monde. Journaliste sexy, alors? Ouais, ça devrait le faire. Allô? Quoi? T'es bloqué à Taïwan jusqu'à après-demain? Allô? Allô? Aéroport fermé à cause d'un cyclone? Allô, Pauline, je t'entends pas, là. Allô? Allô? Nico? Je sais, c'est pas trop le moment, mais il faudrait que je te parle. C'est à propos du boulot. Ouais, je sais, Camille. Ouais, cuisine, le bar... les horaires qui changent tout le temps, c'est pas évident. Bah non. Alors je me dis, quand tu fais le travail de deux personnes... C'est qu'il manque quelqu'un, hein? Ouais, logique. Tiens, là la solution de nos problèmes. Gigi! Hello! Ça va? Et toi? Bien. Ouais, bien. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un bail. Bon. Centrale téléphonique, ça c'est bon. Boîte de dérivation. Ah oui. Bon pour le son. J'entrerai ça pour rien au monde. On est toujours OK sur l'enjeu du pari. Si elle manque le casting, elle se tape toutes les archives à classer de la semaine. Ouais. Et si elle réussit? Tu t'appelles Linda Logier. Passeport, carte de presse, même un pressbook avec tes meilleurs articles. Il manque pas quelque chose, hein? Voilà une journaliste. À nous deux, monsieur Perrault. Bonjour à toutes. S'il vous plaît, un peu de silence. Voilà, je suis Bruno, je suis votre maître de ballet. Donc, ça se passe à la première porte à gauche. Allez, on se dépêche, on y va, on n'est pas en avance. Hein. Allez. Je suis bloquée, je vais au casting. Well, alors, Jenny Bocquet, où est-ce qu'elle est, Jenny Bocquet? Ah, bonjour, oui. Bon, tu as dansé à Broadway. Très bien. Bon, écoute, je te fais pas de dessin. C'est parti pour l'impro et musique. Que j'aimerais voir ça.
Ok, merci. Et au revoir, on vous écrira. Est-ce que tu es prête à tout donner? Ouais. Ok. Parce que Franck, dans 3 jours, va choisir celle qui ira jusqu'au bout avec lui. Alors je te donne une chance. Putain, j'hallucine. Merci. Toutes les archives à classer de la semaine, putain. T'es sur le cul, mon pote, hein? Ouais, bon, bah ça va, elle est claire. Le central téléphonique est en vitesse, hein. Oh non, je ne donne aucune interview. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'a pris à mon agent. Laissez-moi vous exposer mon projet. Léa est dans le bureau de bureau. D'accord. Mais alors, en 2 phrases. Eh bien, je veux faire le portrait d'un homme. Je veux savoir ce qui se cache derrière la star. Je veux découvrir qui est vraiment Franck Perrault. Passionnant, mais vous avez déjà dépassé le nombre de phrases. J'y suis, Ben. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'était comment forcément la bonne réponse? Dites-moi, pour quel journal vous travaillez, mademoiselle? Phénoménia à Bruxelles. Voici ma carte de presse et quelques articles que j'ai écrits. Oui, carte de presse. Et où c'est central? Hey, je suis bloqué dans une remise, y a pas de centrale. C'est quoi ton plan pourri là? Je veux comprendre, il est où ce central? Linda Logier. Eh bien, ma foi, Linda Logier, j'ai bien envie de vous laisser votre chance. Vous pouvez me passer le journal Phénoménia à Bruxelles, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Voilà. Ben, c'est laquelle, hein? Oui, je voudrais parler au rédacteur culture pour Franck Perrault. Oh, ouais. C'est bon. Luc Darcy, bonjour. Bonjour, Franck Perrault. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur mademoiselle Logier? Linda Logier, bien sûr. C'est une de nos journalistes les plus prometteuses. Oui, effectivement. Elle ne manque pas d'arguments. Merci, monsieur Perrault. Veuillez excuser de tels procédés, mademoiselle, mais on n'est pas toujours ce que l'on prétend. Nous avons parfois plusieurs visages. La question est de savoir lequel est vrai. Bien dit, mademoiselle Logier. À demain, 9h. Chapeau les filles. Ben, c'est fini. Hey, l'école d'Inès est tout près. J'allais la chercher avec un bouquet, histoire d'arranger les choses pour ce week-end. Hein? Ah. Et merde, hein. Oui, bonjour, monsieur Fischer, le mari de madame Fischer, la maîtresse de CP2. Elle est partie, madame Fischer? Non, elle n'est pas partie, elle avait une réunion. Ah, il n'y a plus personne ici. Bon, merci. Salut Inès, c'est moi. Bon, bah, je t'appelle pour ce week-end. En fait, va y avoir un contretemps. Je vois que t'es occupé, je te rappelle. Un pari est un pari. Eh ouais, je l'ai fait, maintenant tu vas le faire. Tous ces petits dossiers à classer. Il y en a beaucoup.
Putain, la couverture d'archiviste, j'en ai marre. Tu fais chier, Claire. Claire, je sais ce que tu vas me dire. On n'est pas là pour s'amuser, j'ai rempli ma mission, maintenant je décroche. Enfin ouais, t'as rempli ta première mission. La seconde, c'est de récupérer des infos auprès de l'équipe. Ça veut dire que je continue, hein? Oh, j'adore ce job. Des nouvelles de Joss? Non, mais nos infiltres ont fonctionné, on est en place. Il faut qu'on voit ce qui se passe dans le bureau du chorégraphe jour et nuit. Installer une micro-caméra. Benoît, vous me ferez signer l'autorisation? D'accord, patron. Lieutenant, est-ce que tout va bien? Ça va fort, patron. Ça va fort. Et vous? On se retrouve dans le Zoom à 23h. Tu installes les mini-caméras dans le bureau de Perrault, ok? Alors? Elle l'a mal pris pour le week-end? Tu peux me retrouver le proprio d'une bagnole? Eh, hey, sans me poser de questions. Ah, la bonne surprise de la soirée. Ça va, et toi? Bon, tu me dis pas que tu repars, hein? Si. Attends, depuis combien de temps on n'a pas passé une vraie soirée ensemble? Ah ouais, non mais moi, on est les meilleurs amis, on se voit jamais. S'il vous plaît. Camille. Pascal, aujourd'hui, elle est d'une humeur. Faut prendre soin d'elle, Nico, tu sais. Elle s'est pas encore remise de la mort de son père. De votre père. Bonjour, toi je sais, c'est Pauline, la petite amie de Nico. Trois margaritas, deux punchs et un jus de tomate. Moi c'est Juliette, j'ai bossé avec Nico sur la côte il y a 2 ans. C'est marrant l'amour, ça se voit. Mais là. Il va falloir dissiper le malentendu avant le retour de Pauline, non? Tu m'étonnes. Et alors demain soir, on dîne ensemble. Je vais finir par croire que tu me fuis, Léa. Oui. Écoute, je te pose pas de questions, mais je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi avec Inès? Rien. Juste un petit retour à la réalité. Écoute, on bosse ensemble, mais on est aussi potes, hein? Alors si t'as un problème, tu peux en parler. T'es prêt? Voilà notre petit bijou. Échange standard. Tu remplaces l'ancienne prise par la nouvelle, mais celle-ci, tu vois, la caméra qui est planquée ici. Alors essaye de trouver, je sais pas moi, un endroit, tu vois, on la voit pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis pas débile. Qu'est-ce qu'il a? Elle est prévue un week-end en amour avec sa femme. Alors à cause de l'opération, ça tombe à l'eau. T'en veux? J'avais cherché, c'est pas vos affaires. Comment ça sont pas mes affaires? Non mais je vais pas me faire tuer pour vos conneries, moi. Et ma carrière, hein? Bon, j'ai sa patiente, qu'est-ce qu'on attend pour le départ? Alex, Alex, ton tournevis. Vous auriez le tournevis là. Laissez-moi un numéro de téléphone où je peux vous contacter. Pas question, je reste ici pour préparer son arrivée. Vous allez me trouver un bureau. Benoît, imprime les photos de cette fille. Et qu'est-ce que je vais raconter à l'équipe? La vérité. Je suis ici pour assurer la sécurité de notre petit séjour et être sûre que les flics ne nous ont pas repérés.
Et ça va, petite sœur? J'étais triste. J'aurais bien aimé que tu sois là. Tu me la laisses? Il te manque, non? Nico a engagé une autre serveuse. Ça veut dire que je suis pas à la hauteur. Mais non. Tu sais, quand on exige trop de soi-même, on finit par tout perdre. Hein. Fais-toi confiance et fonce. Et viens. Fonce, ma belle, fonce. C'est la fille que Perrault a rencontrée cette nuit? Oui. Elle est fichée sur Europol? Non. Mais elle lui fait peur, hein, je l'ai senti. Ce qui m'échappe, c'est pourquoi un homme comme Perrault, qui est respecté dans le monde entier, se compromet avec cette famille Caron. Ils le tiennent, d'une façon ou d'une autre. Dis-moi, Léa. Joss Caron est un fêlé. Il est capable de tirer dans le tas, même s'il doit y rester. Alors sois prudente. C'est pas le commissaire qui parle, là. C'est ton parrain. Allez, on y va. Et un. Allez, dynamique, c'est parti. Bien le pied. Allez, bien l'ensemble. Excellent. Voilà, à toi. We load the thing and then we drop the thing. We start to stay alive again. Allez, le sourire. And it is little girl with an AK running the dust and the boulevard and the downtown. Stuff in the home and the hit the road and in the right time right style. Is it okay like in the steam for the old the mic in the baseline. We know the thing when in the thug. Hotel and wink and my man and garde tour. I'm getting cool. Voilà les épaules. Allez plus haut. In the light things that the light fall, then the modernism rediscovered and the things that let it hold melt. In a time the late, the mighty queen thing under the Christmas tree. When I stand the lights and the beat up, when I look out, then I stand like the cabin hops books in the late fall. And every tune sustained, then in the drop, try to run, thank the lock for the name, then the high fives, and then the ten the lead. When out for the late, then the weathering, the height, then the hold. Très bien, ok. 10 minutes de pause, c'est bien. Désolée. Oh, c'est de la bombe, j'ai le même. Ingrid, je travaille avec Franck. Et Jenny? Elle-même. J'ai vu ton CV. T'as arrêté de bosser pendant 2 ans? Ouais, j'ai suivi mon mec. En Inde. Ah, au fait, t'as travaillé avec Barnes dans Wish? J'arrive pas à me souvenir. Qui tenait le premier rôle? Nancy Watt ou Sophia Kelly? J'aurais jamais le temps de trouver la réponse. Si ma mémoire est bonne, Tracy Drift. Est-ce que bord de mon bureau? On parlera à voyage. Avec plaisir. La clarté était grande. Monsieur Perrault, vous refusez les mondanités et les honneurs. Pourquoi vivre coupé du monde? Je n'aime pas jouer la comédie. Pourtant, vous entretenez le mystère. Par exemple, pourquoi ces lunettes? Dépigmentation oculaire. Je ne supporte pas la lumière du jour. Bien, je vous ai livré une partie de moi-même. Maintenant, à vous. «
La journaliste mondaine, c'est juste un masque. Mais alors, quel est votre vrai visage? Vous avez raison, mademoiselle Logier. Ce monde n'est pas fait pour la vérité. Ceux qui la cherchent se brûlent les yeux. C'est votre cas? Au fait, pour le numéro d'immatriculation. D'abord, tu me dis ce qui se passe. Rien, c'est juste un type qui est rentré dans la bagnole d'Inès et qui s'est tiré. Enfin, heureusement, elle a pu noter le numéro. Allez! Stéphane Martin, 28 rue de Longchamp. Ça se trouve, il a une femme et des gosses. Hé, hey. Oh, avec ça, tu veux pas faire de conneries, hein? Perrault, il cache quelque chose. Quelque chose qui le détruit. Perrault se tire. Je le file. Allez, attends. Je fais mon métier de journaliste. Hein. Que vous pouvez me dire où se trouve le boulevard de la Reine? Oui, bien sûr, c'est au bout de la rue, sur votre droite, et vous tombez dessus. Au bout facile. De la rue? Vous êtes sûr? Certaine, certaine. Mais je suis pas de la région, j'ai peut-être me trompé. Très facile à trouver. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. C'est vous qui sonnez à l'interphone, hein? Mais qu'est-ce qui se passe avec ma voiture? Qu'est-ce que vous voulez? Connard! Il est malade, ce type! Non, mais il est malade, mais vous l'avez... Non, mais vous l'avez vu, il est malade! Sur la boîte aux lettres du pavillon de cette jeune fille, il y avait un nom. Salange. Et que donne vos recherches? Benoît? Arthur Salange. Jet-setter notoire, danseur prometteur, petit escroc mondain mort en 84. J'ai mieux. Simulation numérique du vieillissement. J'ai ajouté des lunettes non regardées. Franck Perrault. Officiellement, Salange est mort noyé. Mais son corps était méconnaissable à cause d'un séjour prolongé dans l'eau. Il s'est enfui et il a refait sa vie au Canada. Et il est devenu Franck Perrault avec l'aide de la famille Caron. C'est comme ça qu'ils le tiennent. Quand Salange a disparu, sa petite amie était enceinte. La fille s'appelle Diane, elle devrait avoir aujourd'hui 19 ans. La gamine qui l'a abordé, j'en suis sûre. Il a abandonné sa fille. Max, il a fait exactement la même chose que mon père. J'ai besoin d'exercice. Tu lui as cassé la gueule? L'amant de ta femme, tu lui as cassé la gueule? Je les ai vus hier. Elle était radieuse. Comme quand on s'est connus. Mais avec un autre. Elle me ment en jumeau. On fait un super couple. Écoute, ce mec-là, c'est sûrement qu'une aventure. Faut en parler, crever l'abcès. Y'a rien à dire. On est devenus des étrangers. Notre boulot et le mariage, je te jure, c'est pas compatible. Alex, Alex. Je te laisse pas broyer du nord, ok? Tu viens passer la soirée avec moi dans le sous. Ouais. C'est gentil. Mais je préfère aller me bourrer la gueule dans un bar minable. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là, non? Mmh.
te dérange? Tu m'accostes? Je te rapporte du vin. Si t'as un problème avec mon look... Ah non, parfait. T'es condamné à partager une pizza surgelée avec moi. Très bien. Et je te préviens, je risque d'avoir un coup de fil du boulot. Je suis désolée, mais j'ai rien d'autre. J'ai pas fait les courses. Et puis j'attends mon coup de fil. Ça m'étonnerait. Tu te souviens quand il débarquait à l'improviste et qu'on passait des nuits à tchatcher dans ma petite chambre? L'enfer, quoi. Je me souviens, je pensais qu'il y a une chose, c'était t'embrasser. Et j'attendais le bon moment, tu vois. Est-ce que c'est là? Oui? Non? Et t'as fini par le faire, m'embrasser. Ouais, tu parles. Catastrophe. Bah oui, ça a duré combien de temps? 3 mois? Ouais. Tu me diras, à l'époque, c'était un record. Oh, ma pizza! J'espère que tu dors pas parce que j'ai vraiment besoin d'un café. Répétition jusqu'à minuit. J'en peux plus. Je suis crevée. T'en restes? Voici les modalités de départ de Joss et ses faux papiers d'identité. Transmettez le message. Je garde les documents en lieu sûr. J'appelle Léa. C'est ton père? Ouais. Ah, il y a un air de famille, hein. Même quand je souris. Il souriait jamais. C'est bien la première fois que tu m'as parlé de ton père. T'es prête à tout casser. À le tuer même s'il apparaissait devant toi. J'arrive plus à le voir comme un salaud. Plutôt, je me dis, c'est un salaud. Et ça reste mon père. Je me suis toujours demandé s'il avait essayé de me revoir. Mais je pense qu'il a pas eu le courage. Puis il faut savoir pardonner. Oui, il faut savoir pardonner. Alex aussi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, j'y retourne, je fouille le coffre et je reviens. 10 minutes chrono. On bouge pas sans l'accord de Léa. Il y a des vigiles partout. Ça va, c'est trop bien que les vigiles je maîtrise. C'est bon, ne ressens pas ton passé de jeune délinquante. Bon, de toute façon, il faut bien qu'on sache ce qu'il y a dans cette enveloppe, non? Imagine que Joss se tire ce soir. Ben, franchement, Léa ferait pareil. Je me demandais, pourquoi on a cassé en fait? Mais c'est toi pour la blonde avec les oreilles décollées. La blonde? Mais c'était après. C'est toi là, avec ton espèce de binoclard là, qui avait des boutons partout. Arrête! T'es malade toi? Non. Mais si, c'est vrai? Non. Me chatouille pas. Bon. Si il y a un truc, c'est toi qui as chatouillé ça. Ah non! Si, c'est non. Toi qui as chatouillé ça. On n'a pas déjà vécu ça? C'est mieux. Allô? Pauline? T'es à Roissy, là? Oui, j'arrive tout de suite. Ok. C'était Pauline. Faut que j'y aille. Là, on part. Faut absolument voir le match ce soir, c'est pas compliqué. Avec le jeu qu'ils ont déployé il y a 15 jours... Ah, ça, y a pas de soucis. À mon avis, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est... C'est la rencontre de l'année qu'il faut pas rater, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais si la qualification bouge... Ça va. Tout baigne, Benoît. Je l'ai.
Alors, note. Faux passeport au nom de Thierry Baratti. Une carte professionnelle au même nom. Et un billet d'avion. 15h40, demain. C'est un vol spécial équipe matérielle en partance du Bourget pour Montréal. Ravage. Merde. Ils reviennent. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je le savais. Petit téléviseur. Eh ben voilà, notre soirée est sauvée, là. Vas-y, branche vite. Pierre? 20 minutes, enfin, c'est pas perdu. Hein. Tu sais, 20 minutes, il y a une position possible. Tiens, regarde. Ça va tirer, ah, déborde. C'est bon, ça, c'est bon. Rentre dans l'hôtel. Allez. Boum. Oh, hey. Allez. Allez. Mais vas-y, mets le pouce. Pousse. Claire, qu'est-ce que je fais là? Claire? Voyons à qui on a affaire. Claire? La bonne surprise. Ouais, je suis désolé. On y va, on leur rentre dedans et on les explose. Alors, capitaine, vous laissez votre équipe dans la nature? Et vous, qu'est-ce qui vous a pris d'intervenir en solo? Bon, on quadrille le quartier, on donne l'assaut. Pas question, Claire sera la première victime. Qu'est-ce que vous préconisez? On agit à notre façon, en douceur. Je vous laisse jusqu'à midi. Ce morceau, là, j'arrive pas à m'en remettre. On va discuter un peu, entre copines, on se dit tout. Tu vas voir, c'est radical. Une bonne bouffée, tu planes et tu dis tout, comme un sérum de vérité. Alors, Jenny, pour qui tu travailles? Mais faut être raisonnable. Parce qu'à haute dose, c'est mortel. Ok, ça va. Je travaille pour la brigade financière. Frank Perrault est soupçonné de faire du blanchiment d'argent. Qu'est-ce que tu foutais dans son bureau? Eh ben, j'essayais de pirater le disque dur de son portable. Il faut tout annuler, vous êtes grillé. On n'annule rien du tout, c'est vous qui êtes grillé, Frank. Mais pas du tout, elle avait un micro. Les flics vont nous tomber dessus. Vous êtes quel côté, Frank? Oh, ça suffit. Papa, on n'a plus le temps. Je suis déjà sur la route. Oui? Inès? Perrault est complice de la famille Caron. Non, Benoît. Il n'est pas complice. Il est prisonnier. Hey, il y a ma femme. Fallait la prévenir. Je reviens. Allez, pas. Putain. Inès, je suis débordé. Ben oui, mais ça fait 2 jours que tu rentres à des heures impossibles, alors je suis venue. Parce qu'il faut que je te parle. C'est pas la peine, je suis au courant. Je t'ai vu avec ton mec. Hein. Devant l'école, tu pourrais donner tes rendez-vous ailleurs. Sérieusement? T'as pris Stéphane pour mon amant? J'ai écrit un livre. Stéphane est éditeur et il a décidé de me publier. Toi, t'as écrit un livre? Mais l'éditeur y croit, tu sais, on va organiser un gros lancement. C'est l'histoire d'une femme de 35 ans, ses pensées, sa vie intérieure, ses doutes, tout ça. Cette femme, c'est toi? Un peu, oui. Tiens, quand tu vas le lire, n'oublie pas une chose. Je t'aime. Eh bien, qu'est-ce que vous faites là? Nous n'avons pas rendez-vous. Et puis d'abord, je n'ai pas le temps. Eh bien, moi non plus. Vous reconnaissez cet homme? Je suis sûre qu'il ne veut pas mourir avant d'avoir connu sa fille. Vous êtes flic. Si t'as un problème, tous une fois. Vous nous aidez à coffrer Joss. Vous nous dites ce que vous savez sur les réseaux de la famille Caron. Et je vous offre une nouvelle vie. Avec votre fille. Et pourquoi est-ce que je vous ferai confiance? Parce que je sais ce que vous ressentez. C'est arrivé. Franck,
Quelle joie, Franck. Tu changes pas, toi. Ça me fait plaisir de te voir. Qui c'est celle-là? L'affaire réglée. Les garçons, vous êtes en place? Prêt pour la diversion. J'espère qu'il n'y a pas de contrat. Bon alors, tout va bien? Ça va, ouais. Oh, un de moins. Ce soir, on sera chez nous. Je t'invite à dîner, Franck, sur les quais de notre bon vieux Montréal. D'accord. Il y a un type bizarre qui rentre dans l'entrée. Joss, on va aller attendre dans mon bureau. Tu veux bien? Quant à toi, tu restes ici, bien sagement. Ok. Vous allez où comme ça? Bon, écoutez, je ne partirai pas d'ici sans avoir vu Franck Perrault. Il est pas là et le casting est terminé. Dégage. Je sais qu'il me prendra. Je suis fait pour danser pour lui. J'ai tout. J'ai la sensibilité, le regard, la souplesse. Bon, alors maintenant tu te casses et t'arrêtes ton numéro. Tu veux me toucher, toi, hein? Eh, viens, mon pote. Viens, viens, démarre. Tu vas manger, moi. Viens. Tes papiers d'identité, ton billet... La liberté. Merci, Franck. Tiens, Linda Logier. Une journaliste qui prépare un article sur moi. Pas le moment, Franck. Mais j'avais juste oublié mon sac. Ah, police, bouge pas. Non, je laisse tomber, c'est pas la peine, il y a des flics partout. Tu vas le payer, Franck. C'est ce qui arrive au traître? Hey, fini de rigoler. Allez hop, debout. Je m'occupe de Claire. Ok. Oh, 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 oh. Ingrid, elle se casse. Passe les menottes. Je m'occupe d'elle, ok? J'ai pas trop aimé, toi, comment tu m'as sorti tout à l'heure. Bah écoute, un café, une assiette mixte, 100 euros. J'arrive pas à me concentrer, je viens d'apprendre que je suis prise comme stagiaire dans un journal. T'es journaliste? Génial. Je veux pas laisser tomber Nico. Bah écoute, il y a des priorités dans la vie, on peut pas tout faire. On arrivera très bien à se débrouiller sans toi. Si t'exiges trop de toi-même, tu finis par tout perdre. Autrement dit, vas-y, fonce. Si tu veux pas faire un peu de shopping avec moi. Je le dis pas trop. Ça fait 10 minutes que j'attends mon édition. Excusez-moi, 2 minutes et j'arrive. Elle avait pas d'amant. Elle a écrit un livre. C'est l'histoire d'une femme de 35 ans, ses états d'âme, ses pensées, ses rêves. Elle a écrit un livre sur sa vie, enfin sur notre vie. Si elle avait pas d'amant, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? La couleur de mon pyjama, les fois où je suis nul. Et ses fantasmes avec d'autres mecs. Enfin, tout. Tout est allé.
Château de Marueil. C'est quoi ce délire? Bah avec les autres, on s'est dit que t'avais besoin un peu de calme avec ta femme, hein? Piscine, jacuzzi, sauna. Bah c'est gentil. Bah je vais... Enfin, on va y réfléchir. Et attends, dis-moi, Alex. Une question comme ça, tu dors vraiment en pyjama? Je veux dire, mais quelle couleur le pyjama? Rose, bleu, rayé, à pois? Allez, pareil. Non, attends, putain, ça, tu vois, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il va devenir? On va lui trouver un abri. Mais plusieurs enquêtes sont lancées. Pourquoi il a disparu il y a 20 ans? De qui on a retrouvé le corps? Il doit répondre de son passé. Mais regarde-les, rien que pour ça, ça valait le coup.